Martine, fais tes valises, on part à la côte hollandaise. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode 2. De Track des directions, le petit tracé de Zandvoort aux Pays-Bas, non loin de la mer du Nord, pour vous présenter une nouvelle routière française qui, eh bien, euh, débarque dans cette Corsa en tant que mode. Ce euh, modèle, vous l'avez bien sûr reconnu, c'est la Peugeot 504 avec euh, quelques couleurs d'époque. Hein, elles sont bien choisies, bien caca comme euh, savait si bien le faire à l'époque euh, les constructeurs. Euh, Automobile avec une physique assez intéressante. Moi j'ai beaucoup apprécié ce mode parce que un petit peu dans l'air de ce que je vous ai présenté il y a quelques temps avec la R8 Gordini, et eh bien cette Peugeot 504 fait le travail et euh, offre un comportement très souple avec beaucoup de roulis, beaucoup de tangage, et une voiture très agréable à piloter, très coulée, très souple. Et ça change des voitures parfois eh bien, très basses, avec beaucoup d'appui, etc. Donc c'est... Plutôt sur ce genre de tracé vallonné que je vous conseille de la conduire, hein, genre le Nürburgring, ça peut être aussi l'ancien Nürburgring, la Nordschleife peut être aussi intéressant. Et vous voyez que ça glisse et tout, c'est plutôt sympa. Et donc, c'est un mode que vous pourrez retrouver dans la description, bien entendu, un mode gratuit. Mais on va vous parler un petit peu de cette Peugeot 504 qui a été produite jusqu'en 2005 en Afrique. Rendez-vous compte, voiture très populaire sur le continent africain. Pourquoi Eh bien parce que c'est une voiture solide, robuste, avec une mécanique simple, facile à entretenir et surtout, eh bien c'est un peu les techniques qu'on avait à l'époque dans les 205. Les modèles carburateurs sont aujourd'hui les injections des Peugeot 206, pour faire simple. Et c'est vrai que voilà, c'est une voiture atypique qu'on n'a pas beaucoup vue, qui est pour le... Je pense la première fois dispo dans un jeu vidéo. Si certains ont plus d'informations sur cette Peugeot 504 qu'ils me qu'il me parle en commentaire, j'aimerais bien savoir où on pourrait piloter cette voiture ailleurs que là. En tout cas, moi je vous invite vivement à piloter cette voiture sur des circuits vallonnés parce qu'elle en vaut le coup, elle est vraiment sympa, elle est peut-être pas super rapide, elle est assez lourde, elle fait entre euh, 1200-1300 kg, mais euh, elle a une, une motorisation avec pas mal de reprises, pas mal de couples, et vous allez vous amuser à, à balader pour ne pas dire à naviguer dans les virages. En tout cas, moi je vous laisse profiter de ce son typique des moteurs de l'époque et je vous dis bon amusement en piste. Salut les amis, montez le sang.